Yo les gens, c'est Iron Fan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. une vidéo unboxing de la Funko Box. Je vais vous unboxer cette box. Puis je vais faire une dédicace. Mais vous allez voir, c'est une dédicace qui va. En fait, c'est une dédicace pour moi. Une dédicace pour une autre chaîne que j'ai. Elle s'appelle Instant Simpson. Elle sera dans l'espace commentaire. Vous pouvez vous abonner, s'il vous plaît, ça ferait plaisir. Parce que j'ai l'intention de reprendre les vidéos sur cette chaîne. Puis c'est ça. Vous pouvez vous abonner à Instant Simpson. La chaîne sera en commentaire. Aujourd'hui, on va unboxer la Funko Box. C'est une box de Funko, tout simplement. C'est comme moi, j'ai tout le temps voulu faire des unboxings chaque mois de box, comme je sais pas, la high-tech box ou même la truc là, comment elle s'appelle, la wood box, mais je peux pas tout simplement parce que c'est je suis canadien, donc c'est ça coûte en euros, donc c'est plus cher, puis les frais d'expédition, tout c'est pas trop donné. Donc, à la place, je vais faire des unboxings des Funko Box. Funko que j'adore vraiment, vu que c'est une compagnie ben voilà, c'est une compagnie que j'aime bien. Comme vous pouvez voir, il y a une boîte. La boîte est assez stylée, c'est une télé. Si j'en ai plusieurs, j'aimerais bien faire un petit diorama. Genre, couper tout ce qui c'est rouge, puis genre, je sais pas, mettre un personnage de cartoon, un personnage de télé, qui c'est. Puis bon, le derrière ça se présente comme ça. Il y a une GameStop. Puis bon, on va unboxer cette box que j'ai eue chez EB Games. EB Games qui est un très bon magasin de jeux. Bon, alors voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, ça c'est stylé. Pour commencer, t'as une figurine de Jerry. Jerry de la série Tom et Jerry. J'écoutais beaucoup quand j'étais petit, mais j'ai arrêté. Parce que tout simplement, c'est. Ça m'intéresse plus, c'est. Ben voilà, ça m'intéresse plus, mais j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Je regardais ça sur Télétoon Rétro. C'est une chaîne pour enfants où ils passaient des vieux cartoons, genre les Spider-Man des années 70, les vieux Batman avec la Justice League. C'est lui où Batman a la voix comme ça. Dis donc, Robin, je crois qu'on n'a rien problème. Ah, ouais, non. L'imitation est un peu foireuse, mais bon, tu vois de quel Batman je parle. Deuxième truc, c'est une pèse. C'est Fruit Brute. C'est une sorte de choc de biscuit. Non, de comment elle appelle? De céréales, je crois. En vrai, c'est une mascotte, mais je sais même pas de quoi. Puis c'est une exclusive Big Game, donc c'est assez rare. Ok, ouais, non, c'est céréales. En gros, c'est une pèse, mais bon, il n'y a même pas de bonbons, donc à quoi? À quoi l'ouvreur? Ça va pas changer grand-chose. Puis, pour finir, on a une Funko Pop, qui est tout simplement la Funko Pop de Max, le fils de Dingo, pour ceux qui connaissent bien l'univers de Mickey. Moi, de base, c'est pas un univers qui m'intéresse, je le connais pas plus que ça, mais bon, pourquoi pas? Et voilà, c'est Max que j'aime pas trop les trucs Disney. Ben, j'aime assez les Marvel, les Star Wars, mais voilà, je comprends. Je suis pas trop style cartoon Disney, mais vu que la pop est ultra stylée, je vais la garder. Et puis en plus, c'est ma toute première Funko Box, donc voilà. On va la sortir, la pop. C'est Max, le fils de Dingo. Ah ouais, stylé quand même. Ça, je trouve, c'est une assez belle pop. Ah, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'elle soit une exclue parce que je connais plein de gens qui sont fans des pop Disney. Puis franchement, ouais, vu les détails là, elle serait partie. Mais c'est quoi ça? Et regardez, c'est genre la pop est bien faite vu comme ça. Mais genre là, je sais pas si vous voyez, mais genre c'est. Ouais, c'est mal collé, genre. Mais n'empêche, la pop est très belle. Je vais la remettre dans sa boîte. Puis elle va rejoindre la collection. Comme les trois goodies.
Puis c'est ça. Je voulais vous faire un petit unboxing, comme ça. Puis c'est ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Instant Simpson qui sera en commentaire. Je vais peut-être la renommer ou un truc dans le genre, mais c'est ça, n'oubliez pas de vous abonner. Elle sera un peu épinglée, fait que ne vous inquiétez pas, elle sera la première des commentaires. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne, puis à cette chaîne aussi. Sur ce les gens, j'ai fini cette vidéo, puis j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Et on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao.